Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouveau challenge sur la chaîne, le challenge du richissime archéologue créé par Midoriya sur le forum des Sims. Je vous mets évidemment le lien des règles dans la description, n'hésitez pas à checker pour être au courant de tout ce qu'il faut faire pour ce challenge. Et s'il vous tente, eh bien allez-y. Je vous présente mon personnage qui pour une fois est un homme. Il s'appelle Iowa Jones, et oui, il a un nom très original qui vous rappellera peut-être le nom d'un célèbre héros de cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que ses parents l'ont appelé comme ça, et en plus, depuis qu'il est tout petit, il a cette passion pour l'exploration, et en particulier la jungle de Selva Dorada. Eh ben ça tombe bien, dis donc, vu que ce challenge va consister essentiellement à l'exploration de Selva Dorada. C'est un pack que j'adore dans la jungle dès qu'il est sorti. Ça a été un amour inconditionnel pour tout, d'ailleurs le paysage, les meubles, les vêtements, tout est tout trop joli dans ce pack de la jungle. Et je suis très contente d'avoir trouvé un challenge qui le met énormément à l'honneur. Et je me suis dit, allez, eh bien, ça manque un petit peu de jungle par ici, et de couleurs et de danger. Donc on va envoyer notre cher Iowa. Le début du challenge consiste à emménager sur un terrain de 20 par 20 sur l'île de Windenburg que nous avons ici. Et avant même de commencer quoi que ce soit, on ne construit rien, il faut partir déjà à Selva Dorada pendant 7 jours pour pouvoir déjà se faire une opinion et commencer à découvrir quelques petits trésors. Donc bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc mon petit, tu vas avoir de la chance et tu vas pouvoir déjà prendre des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme petite maison? Donc, on va prendre le bungalow de la jungle, c'est très bien. Il sera tranquille, là, il va... Voilà, on va être bien. Allez, Iowa, on y va pour 7 jours. De toute façon, c'est le maximum. On aura pour 3885 simflouz. Et c'est parti. Oh, bah, voilà. On arrive à peine... qu'il pleut déjà. Bienvenue dans la jungle, Iowa. Des objets très utiles pour partir à l'aventure ont été ajoutés dans votre inventaire. Ils sont inclus dans votre forfait de location. Si vous prévoyez d'explorer la jungle de Belomicia... Ah, mais j'avais jamais fait gaffe que ça avait un autre nom. Vous devrez également passer au marché de Puerto Lama pour vous procurer davantage de matériel. Ce n'est pas un souci, donc nous avons déjà dans notre sacoche un répulsif anti-araignée, c'est très bien, et une machette. C'est cool pour commencer à explorer. Et on est au bar. Tu vas tout de suite voir la statue, hein, parce qu'il faut lui montrer du respect pour, les, voilà, pour la compétence de Selva Doradian. Alors, il y a pas mal de choses à faire et à compléter pour ce challenge. Notamment déjà réussir l'explorateur de la jungle, l'aspiration. Il faut avoir bon nombre de collections complétées. Il faut réussir 3 aussi aspirations. Donc toutes les règles, bien sûr, sont. Il y a le lien dans la description. Du coup, le petit Iowa ne vieillira pas. J'ai bloqué son âge. Allez, tu commences déjà à marchander. Vous êtes intraitable en matière de négociation. Je vous offre une réduction de 25%. Bah écoute, tu vas commander de la nourriture à prix réduit. Pourquoi pas? Sachant qu'il faut qu'il apprenne toutes les recettes aussi, donc on va commencer maintenant, même s'il a pas faim, c'est pas très grave. Ah! Ça y est, ça commence à déjà vendre des choses, donc c'est bien, on va acheter tout ça. On va acheter tout ce qu'il y a sur les trucs. Hein. Ah bah j'ai déjà une étape terminée! Mais ça va très vite! Juste en achetant ce qu'il y avait sur les étals, et ben j'ai déjà complété un niveau de la de l'aspiration explorateur de la jungle. Comme j'ai un doute sur les petites poupées, tu vas les prendre. Je sais pas du tout si ça rentre dans une collection. Donc bon, je les ai pris. Écoutez, au pire, ça fera sa décoration pour son futur chez lui. Oh, il y a déjà un truc ici à venir creuser. Donc si t'as envie de venir te perdre là, ce serait cool. Ça y est, c'est ce que je cherchais. On a déjà un petit truc à creuser ici. Je voulais vraiment qu'on commence à creuser ce genre de truc là avant d'aller dans la jungle. Peut-être que pour sa première journée, en plus de toute façon, il pleut. C'est une horreur. Allez, on commence à explorer le petit tas de terre. Oh oui, je sais, t'es mouillé. Mais c'est pas grave, hein, il faut y aller. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Dis-toi qu'il y a plein de trésors là-dedans, sachant qu'il faut trouver tous les trésors omnisquins pour ce challenge. Oh, il y a des nouvelles choses. Allez, tu vas m'acheter tout ça. De l'embouteille, le truc à chauve-souris vampire, la machette.
Sinon, je vais déjà acheter aussi la table, l'établi d'archéologie, comme ça, ce sera fait. C'est vrai, tiens, discute des traditions locales, des choses avec les locaux, parce que plus on apprendra de choses, mieux ce sera pour ce petit challenge sans signe sur la jungle. Discuter du patrimoine local. Il y a beaucoup de choses à faire et à se renseigner. Alors, d'innombrables araignées et abeilles peuplent la jungle et elles n'apprécient pas d'avoir de la visite. Super. Moi non plus, je voudrais pas qu'elles me rendent visite. Hein. Oh, mon dieu, niveau supérieur à la culture xavadoranienne, mais c'est très bien. Si vous faites preuve d'assez de logique, vous pourrez avancer prudemment dans la jungle en étant pénible bestiole. D'accord, mais là, en logique, il débute tout juste le petit. Hein. Donc, niveau 2, ok, super. Waouh, tu sais bien bouger ton corps, oh, yo, vois, tu es beau. Et un niveau 3 de la compétence de culture salvadoradienne grâce à Candela, qui nous apprend pas mal de choses. Oh, bah vu que t'as un petit peu faim, tu vas aller recommander à manger au truc là. Ici. Voilà, alors tu vas marchander. Il n'y a pas de nouveauté, non. Tu vas marchander, tu vas racheter un truc. Pour connaître une nouvelle recette, peut-être. Tu vas nous prendre la repa de Pabellon. Ça va, deux Sinflus. Alors du coup, est-ce que c'est bon? Moi, oh, ça, en tout cas, il ne crache pas du feu, donc c'est que c'est pas hyper trop épicé, ça va. Et ça lui fait monter sa culture. Et ça fait une recette d'apprise, ça c'est très bien. Il va montrer un peu de respect à la statue. Allez, première journée, bah, pas vraiment dans la jungle, déjà de fini, il est un petit peu fatigué, donc ça va être dodo direct. Hein. Et puis demain étant un autre jour... Peut-être que la pluie sera terminée, qu'on pourra un peu creuser tout ce qui se passe dans le coin, s'il y a des petites choses à voir, et commencer à explorer la jungle. Bonne nuit, mon petit Iowa. Une petite vaisselle, et notre Iowa Jones est déjà fin prêt pour s'aventurer dans la jungle. D'ailleurs, on va commencer par creuser ces petites choses-là. Oh, oh, voilà, voilà, tout doucement. Ah, regardez sur le chemin, qu'est-ce qui se présente? Encore ça, un petit tas à creuser, à dépoussiérer. Oh, bah ça commence bien! Certes, on a eu qu'une seule boule tout à l'heure de récolter, mais ce qui est super, c'est la poussière d'eau ancien, parce que s'il se fait piquer par les guêpes tueuses, eh bien, on pourra peut-être se démerder nous-mêmes avec notre poussière d'eau. Ah, devant l'entrée de la jungle, nous avons encore un petit tas ici. Et niveau 2 de la compétence archéologie, c'est une bonne chose. Tu vas venir me lire le message d'avertissement. Oh, il y a un hélico qui est passé. Ah, il est là. Est-ce qu'on emmène des blessés? On ne sait pas. Regardez-moi ce que c'est beau. Oh, la jungle, quoi. En cas d'empoisonnement, veuillez vous adresser aux Sims locaux pour obtenir un antidote. Oui, je suis au courant. Il est important de vous préparer aux nombreux dangers qui rôdent dans la jungle en vous procurant le bon matériel d'aventure. Allez voir des vendeurs du marché pour découvrir les objets utiles qu'ils proposent. Leur sélection évolue en permanence, alors retournez souvent au marché. Bien, et ben, pour l'instant, là, il est en train d'observer. Eh bien, tu vas te frayer un chemin avec la machette et on va commencer l'aventure proprement dite. Allez, Iowa! Casse-moi tout ça! Regardez-moi cet homme! Ouh là 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 là, qu'il est beau, qu'il est fort! Qu'il est sexy comme Musclor! Il fallait bien que ça rime. Ça y est! On rentre dans la jungle et on va commencer les aventures proprement dites. Sable mouvant, ça commence bien! Iowa trébuche et fait tomber son sac rempli d'objets personnels. Plouf! Dans les sables mouvants. Iowa doit-il tenter de le récupérer? Ou laisser tomber. Laisser tomber, tenter de le récupérer. Une compétence logique élevée, sachant qu'il n'y a rien, quoi. Il n'a aucune logique et utiliser la manchette. Alors, comme la machette. Comme j'ai plusieurs machettes, je vais essayer de récupérer avec la machette. Échapper au sable mouvant, la machette est d'une longueur parfaite pour atteindre le sac. Iowa glisse la machette dans sa sangle et sort le sac des sables mouvants. En s'assurant que le sac est en sécurité, Iowa lâche maladroitement la machette dans les sables mouvants. Épuisé par tous ses efforts, Iowa se repose par terre, juste au-dessus d'une cachette secrète contenant du matériel d'aventure. Mais c'est très bien! Tu nous as trouvé quoi? Encore un autre répulsif. Très bien, regardez, il nous reste encore deux machettes, donc on a encore de quoi faire. Et nous voilà à un endroit où il y a quelques petites portes à découvrir. Et puis le pont, le fameux pont, tout ça, le petit serpent qui passe là, ça je m'en souviens bien. Et regardez-moi ce paysage, si vous ne connaissez pas encore le parc de la jungle, il est tellement magnifique. Il y a un paysage absolument
Super, voilà, je suis un peu plus rapprochée et les chutes d'eau sont spectaculaires. Enfin, c'est magnifique. Bon, ben mon chou, t'iras forcément te frayer un chemin à la machette pour cette petite porte-là et on s'aventurera après via le petit pont de bois pour aller de l'autre côté là-bas, tout là-bas. Voilà. Yop là! Deuxième porte à franchir! Piédestal mystérieux. Iowa écarte un rideau de lianes et découvre une étrange clairière dans la jungle. Il y a un piédestal avec une relique dessus, entouré par un cercle de totems. Les visages des totems font une grimace permanente qui fait froid dans le dos à Iowa. Doit-il partir ou examiner les totems? Le laisser examiner les totems, une compétence bricolage élevée permet de désarmer les totems. Utilise mousse anti-feu. Eh ben, on n'en a pas! Mais écoutez, on va examiner les totems, même si on a zéro compétence bricolage. On verra bien. Oh, bah dis donc, c'est que j'ai gagné. Iowa examine les totems et tente d'élaborer un plan trop compliqué pour enlever la relique en utilisant des objets courants. Malheureusement, il n'est pas assez prudent et déclenche par accident un piège qui envoie une fléchette empoisonnée. Ah bah finalement, non. Voilà, il est déjà malade, c'est cool. Finalement, j'ai pas gagné. Bon, c'est dommage. En tout cas, on a atterri ici, donc c'est bien, tu vas pouvoir creuser. On est atterri à l'endroit où il y a un avion abandonné. Et il y a des petites choses à faire. Je crois qu'il y a même un petit trésor à ouvrir. Et en tout cas, il y a des trucs à creuser. Donc ça, c'est cool. Iowa, je te présente ton tout premier coffre au trésor. Et je t'invite à l'ouvrir devant nous. Yes! Premier trésor! Et l'obtenue des simflouzes et du matériel d'aventure! Fais-moi voir, on a eu donc ça, on l'a trouvé, on a trouvé ça, bon on n'a rien eu tout, oui! On vient de trouver ça dans la terre et ça dans la terre. Ouais, en fait, on a juste reçu des sous. Ce qui est déjà pas mal, on va pas se plaindre! Aïe aïe aïe! Ça y est! Les fameuses abeilles, mais bon, heureusement on avait une plante. Donc on va être tranquille, tu peux continuer de creuser. Et après tu iras me faire un petit pipi dans le buisson vu qu'il est là, on va en profiter. Niveau 3 de la compétence d'archéologie. Et une poussière d'os ancien. Super! Bah c'est cool, dès qu'on retournera eh bien au village, on ira voir Candela qui sûrement t'aidera pour te sauver. De retour ici, on va donc aller tout de suite traverser le petit pont de bois et venir creuser ici et admirer. La vue est tellement splendide et puis ce ciel violet. Oh là là, my god. Allez, Iowa, tu vas m'ouvrir cette petite porte-là, à la machette évidemment, pour continuer notre exploration. La nuit arrive, mais c'est pas très très grave. Regardez-moi cette lune splendide qui va passer devant la statue. Oh. Allez, c'est parti. Il a ouvert un nouveau passage. Rencontre avec un cabiai. Oui, bien sûr, on sait tout ce que c'est. Alors qu'Iowa arrive dans une clairière avec un point d'eau, il tombe sur une petite famille de cabiais en train de s'abreuver. Ils sont adorables, mais le plus petit semble un peu égratigné et perturbé. Oh, bichon. Iowa doit-il tenter de voir ce qui ne va pas ou laisser les animaux tranquilles, observer et profiter du spectacle, s'approcher prudemment. Compétence charisme élevée. Utilise le sceau de Faraday. Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas non plus ce truc-là. J'ai peur qu'il va seulement observer, profiter du spectacle. Les animaux, faut pas trop les embêter quand ils sont dans leur élément. Hein. Iowa s'assoit et regarde les herbivores paisibles se reposer dans l'eau. Alors qu'il continue son trek, Iowa ne peut s'empêcher d'être triste en se demandant s'il aurait pu aider le pauvre animal blessé. C'est la nature, mon pauvre Lucette. Alors! Ici arrive le plus gros du festin. C'est à cet endroit qu'il y a beaucoup de portes. Il y a une là. Et en fait, voilà. Donc par exemple celle-ci. Il y a une grande porte en bois et ça veut dire que là, on peut pas du tout la franchir celle-ci. Donc c'est vraiment dommage. Peut-être une autre fois, un autre voyage. Yes, et une statue non authentifiée pour Iowa dans sa besace. Tu vas me manger un avocat, tiens. C'est bon les avocats en plus. Et puis bah tu vas ouvrir la première porte qui est ici, bien sûr, à la machette. Hein. On va pas faire ça main nue, ce serait dommage pour tes paupelles, petite mimine. Yes! Franchissons donc ce portail. Plante carnivore, ouïouïouï. Une lueur attire l'œil d'Iowa.
Il repère quelque chose de brillant au milieu des plantes rampantes. En s'approchant, il remarque que les plantes semblent bouger de manière menaçante et qu'il y a une vieille botte déchirée parmi elles. Est-ce la preuve qu'un autre voyageur a eu moins de chance? Aiwa doit-il tenter de récupérer l'objet brillant ou laisser les plantes hostiles tranquilles? Laisser le trésor, récupérer le trésor. Avec une compétence jardinage élevée, ce qui n'est pas son cas, distraire avec les mouches, utilise la patte chauve-souris vampire. Ah! Écoutez, ça on l'a, là on l'a pas et ça m'embête. On va essayer de distraire avec les mouches. Ah! Apparemment, il y a eu un truc de gagné. Iowa réalise que l'appât pour chauve-souris vampire dans sa poche serait parfait pour le détourner l'attention de la plante carnivore. Il jette les mouches et la plante recule pour tenter de toutes les manger. Iowa s'empare du trésor. Oh oui, et allons, allons aux bains omnisquins, bien sûr, évidemment. Et nous voilà aux bains omnisquins. Super, on a Jean Plongeon qui est là déjà. Oh, on a récupéré une grenouille en or de 9 000 simflouzes. Ah, on a eu beaucoup de chance là pour le coup. C'est très bien. Eh ben écoute, tu feras trempette, mais je pense qu'il y a encore des petites choses à récupérer. Ah, il y a le fameux arbre avec les baies. Ça, c'est cool. Donc, tu vas les récolter parce que ça peut être très utile, quoi. C'est des baies, en fait, qui sont joyeuses, tout ça. Regardez, il doit être écrit dessus. Récupérer les produits. Nous avons une baie de bonheur, deux baies du courage. Et en fait, ça va changer son attitude et ça, voilà, ça va le rendre eh bien festif ou heureux et compagnie après les avoir mangés. Mon petit Iowa, il a envie de faire trempette, alors il fera trempette. Pourquoi t'es allé aussi loin? On va savoir. Le voilà dans l'eau. Et oui, il a un beau tatouage sur l'épaule. Et comme ça, il profite un peu de cette piscine. Regardez avec ses étoiles. Oh là 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 là. Tu vas manger ton petit sandwich? Oh non, pas les bébêtes! Tu t'es déjà fait piquer, bon sang! Que des saletés! Ah oui, c'est vrai, il a la truc. Voilà, allez, plouf dans l'eau, les saletés de bêtes. Donc il va manger un peu son sandwich pour se remettre un peu parce qu'il est il a un petit peu faim. Ça va, il est en forme quand même ce garçon, hein. Il est quand même pas mal. Et tu vas me prendre un petit dessert aussi, tant qu'à faire. Vas-y, tu vas me prendre un avocat avec ça. T'as froid, chou? Ouais, bah écoute, on va rentrer de toute façon. Là, on a pas mal exploré pour une première journée, donc on va rentrer tranquillement à la maison. Ça vous a carrément une vision de la jungle. Nous voilà retournés à la maison. Il est vraiment très fatigué. Tu vas aller me faire un petit pipi et au lit, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, il n'a plus ses petits ronds verts. Il est plus malade? Eh ben écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je vais le laisser aller se coucher pour bien se reposer. Et moi, je vais vous laisser là pour ce premier épisode donc du richissime archéologue. J'espère que ce challenge vous plaira. En tout cas, moi, j'adore la jungle et Salvador Adda. Donc, je suis très contente de refaire un petit challenge là-dessus. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un com, un like, à vous abonner à RT, mes tweets sur Twitter, à partager tout simplement ma chaîne. Ça aide énormément. Et puis, regardez une petite pub sur YouTube pour me soutenir. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao!